Anurag Sharma, d'origine indienne, est un professionnel de l'informatique établi aux États-Unis. Mais de par son dévouement à sa langue ancestrale, le hindi, il a obtenu plusieurs récompenses, telles que la toute récente Abravasi Hindi Sahitya Srijan Samman. C'est un award offert par le MGI à l'auteur de la meilleure œuvre littéraire en hindi parmi la diaspora indienne à travers le monde. Son recueil d'histoires, Anuragiman, a séduit les membres du jury. Je suis inspiré des événements quotidiens de la vie et essentiellement de ma compréhension de ce qui se passe autour de moi. Il y a des choses qui vous dérangent et beaucoup de choses que vous voulez changer, particulièrement maintenant que la nouvelle diaspora aux États-Unis et de l'Inde. Et c'est là que le hindi entre en jeu. Il existe plusieurs institutions indiennes qui enseignent le hindi, même au niveau tertiaire, des universités qui offrent divers cours. Lors de la cérémonie de remise des prix, l'invité principal, la speaker de l'Assemblée nationale, a rappelé la nécessité de préserver les langues ancestrales. In Mauritius, we have been lucky in the sense that we have been able to preserve generation after generation the language of our ancestors. The Mahatma Gandhi Institute is itself the custodian of a big part of our history and collective memory. An important component of this collective memory is language. Language plays a crucial role in preserving the ancestral culture. Le MGI compte davantage encourager les œuvres littéraires en langue indienne et la culture indienne à travers son département de Creative Writing and Publications.